Hey, c'est tout le monde, c'est Zedion, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de StoryCraft, et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, donc je suis tout seul, je suis pas sur le TeamSpeak, et nous allons chercher un mineshaft. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, il est beaucoup plus facile maintenant en snapshot de trouver des mineshafts, tout simplement en. Avec les sous-titres en fait, parce que les sous-titres nous indiquent quand est-ce qu'il y a des minecarts qui roulent. Et les minecarts, on en trouve que dans un seul endroit, les mineshafts. Donc forcément. Si on entend un minecart, et ben, on trouve un mineshaft. Alors en fait, ça l'affiche, mais on l'entend pas réellement. Du coup, c'est pour ça que avant, il était beaucoup plus compliqué de trouver un mineshaft, et que maintenant, c'est plus simple. En revanche, bah, je vais pas tarder à mourir en fait. Ok. Donc, on va chercher un mineshaft aujourd'hui avec vous. C'est parti. Je vais me faire défoncer avec un PV. Opération Mineshaft 1 PV lancé. Hop. Bon. Alors j'espère que ces petites vidéos vous plairont sur StoryCraft. C'est vrai que je vous ai pris un peu sans vous prévenir, mais en fait moi non plus j'ai pas eu le temps en fait de me faire à cette idée. Pourquoi j'y vais de nuit en plus? Non mais n'importe quoi. Ok. Bon, on va tenter de faire un peu safe. Donc on va trouver ce mineshaft, donc il faut juste qu'on surveille bien ce que l'on voit. Donc on m'a donné comme mission d'aller chercher le mineshaft, et ben écoutez. Mission acceptée. Oh. Par contre, mission de mourir n'est pas acceptée. Allez hop. Donc, ok. Donc je suis désolé pour le dernier épisode, j'ai beaucoup lagué, j'ai eu beaucoup de problèmes pour tourner. Mais maintenant, ça a l'air un peu arrangé. Donc tant mieux, hein. Après tout. Alors. Expérience gained. Il y a quelqu'un pas loin déjà. Mais ça, c'est abusé en fait comme détecteur. C'est vraiment du cheat. Ok. Hop. Écoute, on va quand même. Je suis désolé, pour le coup là, j'ai faim. J'aimerais bien manger un petit peu. Voilà, hop. Ok. Non, on va pas par là. On va aller par là. Hop. Ok. Donc du coup, petit accéléré le temps de trouver ce mineshaft. Et je vous reprends tout de suite après. Ok, alors a priori, il devrait y avoir un mineshaft pas loin. Alors ce qu'on va faire, on va... Ouais, minecart, vous voyez. Donc là, à mon avis, on a un mineshaft pas loin. On va donc tenter d'aller le... Oh merde. On va tenter d'aller rejoindre. Donc cette vidéo sera essentiellement basée là-dessus. En fait, je ferai des toutes petites vidéos. Ok, GG. Alors oui, donc je précise qu'ils ont trouvé plein de trucs. Mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo quand je serai revenu à la base. Là pour l'instant on va juste aller chercher ce mineshaft, pardon. Est-ce que je me trompe pas? Non, c'est bien mineshaft, ouais. C'est l'ennemi abandonné. Il voulait pas un stronghold, il voulait un mineshaft. C'est pas pareil.
Qu'est-ce que mon portable me fait? D'accord. Le portable fait du bruit. Ok, hop. Excusez-moi si c'est des petits bruits de tapotage. Ok, donc déjà, on a une grotte. On a une grotte. Mais on va pas aller dans la grotte. On va récupérer ce fer. Alors oui, donc du coup, pour l'instant, j'ai pas encore été très utile. Peut-être je serai utile un jour. Parce que vous allez voir tout ce qu'ils ont fait pendant que moi j'étais en train de ne rien faire. Cette phrase était absolument pas française, hein, bien sûr. Lava blobs. Alors, il faut absolument pas qu'on tombe sur un squelette. Alors, est-ce que c'était vrai ce que j'ai trouvé? Ok, alors peut-être. Ok, donc là on va redescendre un peu plus. Ok, donc on va voir si on trouve notre stronghold. Hop. Hop. On récupère quand même le fer. Hein. Ok, minecart rolls à droite. Par là-bas. En plus, on me dit la position quoi. Bon, par contre, ça lag encore. Ça va être pénible. Hein. Ok, ça a l'air d'être bon. J'espère que je vais pas me fail. Ok. On est en couche 23. Non, toujours pas de mineshaft. J'ai l'impression que ma technique ne marche pas. Ne me dis pas que c'est ridicule. Au pire, on va quadriller la zone. Hein. Si ce n'est que ça. Ok, hop. Ok. Donc on va remonter maintenant. Ou non, on va peut-être pas remonter, on va peut-être aller plus genre comme ça. Hop, hop, hop. Wow. Ah, minecart rolls. C'était à droite. Ok, donc ça doit être par là. Ah. Ok, on a trouvé un. On a trouvé une faille. C'est pourri la faille. Ok, en plus ça a l'air d'être une faille méga nulle. Oh! Pas si mignon que ça en fait. Parfait. Deuxième road. On va récupérer ça. C'est bizarre, on dirait que c'était fait comme un mineshaft ici. Attendez, hop, on récupère ça. On récupère ça.
On va le trouver ce mineshaft, ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, petit accéléré le temps de le retrouver pour de vrai. Oh, on l'a trouvé! Donc on a trouvé le mineshaft, les gens. On va être fiers de moi. Maintenant on va remonter très vite à la base pour pas mourir. Ok, alors comme vous pouvez le voir, je suis dans la grosse merde, j'ai tout, plus rien. Ok, alors attendez, on va juste. Enfin! Enfin! De la terre!
Bon, alors je réécris. Bon, re tout le monde. Du coup. Oh mon dieu, je crois qu'il y avait encore du gravier. Du coup, j'ai creusé à la main pour sortir d'ici parce qu'il y avait personne pour venir me sauver, manifestement. Et oh, parfait, il fait beau. Et il faut qu'on rentre. Coordonnées de la base, please. Ok. Bon. Hop. Donc, il me semble que c'est par là. Oh, des citrouilles. Besoin de pumpkins. On va les prendre quand même. On va prendre une. Ok, alors donc c'est par là-bas. Attends, il nous a dit moins 170, 90. C'est par là-bas. Ok. Bon. Alors, maintenant. On va tenter de ne pas perdre trop de dégâts en passant par là. Voilà, bon. Alors faut qu'on se dépêche d'entrer avant la nuit parce que sinon on a un squelette, on est mort là. On est trop dans la merde. C'est moins, c'est ouais, c'est vraiment par là. Bon, il n'y a pas trop de biomes différents à part des extrémistes, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. J'en reviens pas que j'ai miné à la main pour rentrer. De cette mission stupide. Bon, je suis vraiment pas très malin pour le coup, c'est vrai que c'était un peu bête. Mais écoutez, c'était quand même sympa d'avoir fait ça et tout pour le bien de la communauté et tout. Mec, vous voyez. Allez, voilà. Du coup, pas trop casser le terrain, ce qui c'est sympa quand même, ces petites extreme hills. Il me semble que c'est un monde en amplifiéd, alors. On va faire comme ça déjà. Donc voilà, dès que c'est un amplifié de forcément. Wow, reloading. Oh, tu as fait un truc que je t'ai pas demandé exprès en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, en plus, ça va. Je m'en sors pas si mauvais. Et en plus, je suis pas le plus mort. Je suis autant mort que quelqu'un. Bon, là par contre, je suis presque mort. Pour le coup, c'est. C'est un peu hot de survivre. Bon, en tout cas, j'ai des idées pour cette saison de StoryCraft, parce que oui, donc je vous ai pas trop parlé encore, encore en privé. Du coup, encore du diams. Non mais vas-y, ouais, moi j'en ai trouvé zéro du diams ça, depuis le début, mais c'est pas grave. Hop. Ok. On va peut-être passer par là, au moins il n'y a pas de chute, enfin il n'y a pas trop de chute. Contre, il va commencer à faire nuit. J'aime pas trop ça. Ok, donc on va jouer safe quand même là. Maintenant. Ok. Donc oui, donc le but en fait c'est juste de la survie simple en fait en ultra hardcore. Pas en PVP, vous inquiétez pas. Hein, de toute façon, vous l'aurez bien vu dans la première vidéo. Pas en PVP. C'est tout simple, c'est juste avec des... On m'a invité et donc j'ai accepté et puis voilà où on en somme. Moi, tiens, ça me plaît pour l'instant, j'aime bien le principe, bon, je n'ai pas encore fait grand chose. Et, mais ça me permettra beaucoup de m'améliorer à Minecraft parce que pour le coup, je suis pas très fort à Minecraft. La preuve, je n'ai pas pris de voix comme un... Comme un attardé. C'est par là-bas. Ils ont bien dit 170. C'est peut-être par là. Non. Ça va être par là alors. Voilà, un exemple. Et si je mangeais cette chose, bien sûr. Alzo. Oh bah au revoir Monsieur Twig. La prochaine. Cool, merci. Ok, donc là maintenant, en fait c'est derrière cette... Derrière... C'est par là derrière en fait. Peut-être que c'est plus simple d'y passer. Oh mais en fait c'est un peu chiant les montagnes là. Oui, je suis dehors. Oui, je pense que voilà.
Voyez, il y en a qui trouvent des stacks de diamants. Bah moi, je mine à la main de la pierre pour remonter d'une mission totalement débile parce que j'ai pas pris de bois. J'ai cru que j'étais passé à la casserole. Hein. J'ai cru que j'étais mort. Mort. Oh! Alors le squelette, je sais pas d'où tu sors, mais ne me suis plus. Tu me laisses tranquille. Ok, dis-moi quand t'es à bas, s'il te plaît. J'y suis. Enfin, presque. Voilà, bon. Alors, comme vous pouvez le voir, la nouvelle base. Bah, tu peux reproduire les vaches, s'il te plaît. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont miné tout ça. Ils ont récupéré tout ça. On va rajouter ce qu'on a fait nous. On va mettre à chauffer ce qu'on a fait nous. Donc, on va rajouter peut-être. Je sais pas, ça ici, ouais. Ça. Bloc. Donc ça va là-dedans. Naturel, ça va là-dedans. Là, le truc KFC ici. Usable, bouffe. Bouffe, on va faire un petit troll. Loot mob. Ça. Et du charbon, ben. Tiens. Voilà. Et ici. Ok, alors on va juste reposer ça là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Oh, mais attendez, en fait, j'avais pas tout vu. Ah oui, d'accord. Ah oui. Écoutez, du coup, on va. Hop. Pas d'autres graines? Non, faut être ma gueule. Attendez. Mais ils ont fait quoi? Mais c'est. C'est immense! Bon, on va peut-être pas aller tout en haut. Hein. Tout toi. ici. Il y a un truc pour les poules normalement. Eux aussi ils l'ont mis. Ils ont fait des pièges et tout là. Attendez. C'est par là. Ah oui, d'accord. Ne pas allumer. On s'attend pour les heures, merci. Livre d'enchantement à partager. Wow! Ils ont fait une table dans. Wow! Non mais les gens, please. Hop, voilà. Où c'est que ça mène ça? Dehors, d'accord. C'est magnifique, hein. Franchement, moi j'ai rien foutu dans tout ça, mais waouh. Ok, bah hop. Et on va mettre ça pour le KFC. Bon. Ok. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à aller voir les autres points de vue, parce qu'il y en a d'autres qui sortiront des vidéos. Donc pour ma part, je vous reprends donc très bientôt. Donc je vous rappelle les vidéos le mercredi 16h et le samedi 16h. Et après peut-être sans temps en dehors de ces horaires. Et donc je vous dis à la prochaine. Oups, ciao tout le monde.